Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu nommé Portal. J'en avais beaucoup entendu parler, mais bon, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, je me suis dit, on va tester. Et quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de portails, du coup, je me suis dit, ça m'a l'air d'être parfait. Donc c'est parti, on va lancer attends, ça, le test. Ok, bon. Alors, je l'ai mis en... J'espère que je vais pouvoir bien voir, sinon je vais devoir... Non, ça. Ma souris. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Cyan. Nous espérons que votre détention dans le caisson de relaxation s'est bien passée. Votre échantillon a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. Tu peux finir aussi tes phrases. Avant de commencer, vous devez savoir que même si le divertissement et l'apprentissage sont au cœur des activités du centre, vous risquez de subir des lésions irréversibles. Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien. Por favor, botón de fallar, muchas gracias. Reculez. Quoi? Le portail s'ouvrira dans 3, 2, 1. On va retourner d'un coup le cerveau là. Compléter chaque test. J'attire votre attention sur le champ de particules incandescentes devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science vaporisera tout matériel non autorisé la traversant. Prenons comme exemple le cube de stockage lesté d'Aperture Science. Placez le cube de stockage lesté sur le gigabouton d'extra-collision d'Aperture Science à charge supérieure de 15 000 mégas. Ok, comment je fais ça? Ah, faut attendre. Pas cool ça. Parfait. Retournez rapidement dans le sas, car les effets d'une exposition prolongée au bouton n'entrent pas dans le cadre de ce test. Je commence à comprendre. Pourquoi ma souris est extrêmement faible? Je pense que je vais la régler. Un peu plus. Nous apprécions votre diligence. Veuillez noter que les saignements bucco-dentaires n'entrent pas dans le cadre de notre protocole de test. Mais il peut arriver que la grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science occasionne des effets secondaires au niveau des plombages, des couronnes, de l'émail et des dents. Alors par contre, deux petites secondes, parce que j'ai ma souris qui n'est pas assez... Attends, c'est quoi accélération sur là? Ça, non. On peut pas... Alors, on va peut-être faire ça, non. Attends, on va reprendre un peu.
oui, c'est beaucoup mieux. Ben oui. Ouh. Oh. Attends. Ok. J'arrive là, je crois. Merde, comme une conne, j'arrive. Attends. Là, ok, attends, je vais attendre. C'est un peu bizarre. Hein. Ok, non. Oh, c'est bizarre de se voir. Hein. On triplette. Ok. Fait que je fasse un truc. Je sais pas si je vais me faire toucher par hasard, je pense pas. Hein. Tout est retourné le cerveau, ça. J'ai très bien. Vous êtes désormais en possession du générateur de portail d'Aperture Science. Celui-ci vous permet de créer des portails. Ces portails interdimensionnels sont sans danger. Contrairement au générateur. Ne touchez pas le faisceau du générateur. Ne regardez pas directement le faisceau du générateur. Tenez le générateur à l'écart de tout liquide. Plus important encore, vous ne devez en aucun cas sortir. Bah, bravo. Ok, j'avais pas compris. Ça m'a... Je me suis dit, mais attends, il faut faire quoi? Non, il y avait bien le... Ok. Mais j'ai oublié de... Merde, j'ai oublié de le chronomètre. Oh, la boulette. Dirigez-vous vers le sas. Attention à la main. Ça me retourne le cerveau, cette affaire. Alors attends. Mais d'accord, c'est là la sortie. Ça mène là. Ok, ça ne mène pas là. C'est extrêmement flippant. Pardon. Si je fais ça. C'est super classe. J'aime beaucoup.
Par contre, cela dit, du coup, ça mène où? Wouah! C'est pas mal, j'aime bien. Non, ça fonctionne pas. Comment je peux faire, du coup? Cerveau, j'ai pas l'habitude. Comment je peux arriver là? Bonne question. Ok. On peut pas là, non. Fille au bureau d'Aperture Science est le meilleur moyen de l'évaluer. What the fuck? Ça fait mal au ciboulot, ça. Ça retourne vachement le cerveau. J'ai pas compris encore, putain. Ah, il y a eu le chargement. Bienvenue dans la quatrième salle de test. Vous vous en sortez bien. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Bonne chance. Bah écoute, moi ça me va. Alors voyons voir. Il est là le deuxième, vilain. Ouh, ça fout la gerbe tout ça. Deuxième. Comment je peux faire pour arriver de l'autre côté? Voilà. C'est une mauvaise idée, ça. Très mauvaise idée. Ah, je tire où? Ah, je tire. J'aime bien tirer. Comment je pourrais le faire, du coup? Ce portail est là. Conformément au protocole de test, vous faire croire que vous ne seriez pas surveillé dans cette salle était une information fabriquée de toutes pièces. Oh bah, de toute façon, j'y croyais pas. Beau travail. Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2...
faut vraiment regarder partout, c'est impressionnant. Alors, quel genre de... Bah très bien, chargement. Ah, je sais que ça. La sécurité est au cœur des préoccupations du centre d'enrichissement. Toutefois, les sphères ultra-énergétiques d'Aperture Science à gauche de la salle peuvent provoquer des lésions irréversibles. Faites attention. Incroyable. Nom du sujet. Vous devez faire la fierté de... Ville du sujet. Je peux sauter quand même. J'avais oublié que je pouvais sauter. Maman, ça va. Ça va. On sort plutôt bien. Mais j'arrive toujours pas à m'y faire. C'est le temps, je pense, que je comprenne. Tout bas le système. Tous les équipements mobiles doivent être munis d'avertisseurs audibles. Cependant, les alarmes et les feux de détresse semblent perturber les sphères ultra-énergétiques. Pour votre sécurité, elles ont été désactivées. Alors... Bien. Utilisez maintenant l'échafaudage non stationnaire d'Aperture Science pour atteindre le SAS. Dessus, ça va être un... Waouh. Impressionnant. Ok. Ouais, je garde mon silence tellement que je suis... je réfléchis, mais... terriblement. On va dire que dans quasi-vous, je vois. Ah, chargement. Le fameux. L'échec n'est pas sans conséquence. Si vous touchez le sol de la salle, la mention « insatisfaisant » sera portée sur votre rapport officiel. Et sera suivi de votre mise à mort. Bonne chance. On dirait de la peinture. Pas moi. Mais du coup, si tu fais ça... Ouais, du coup, attends. Ok. Ah, attends. Bon, au moins d'un côté, j'arrive. Je peux pas faire... Non. Comment je pourrais faire? What? Attends, j'ai le cerveau qui vient de se retourner d'un coup là. Non! Ah, attends! Oh, pas que c'est un chemin de qu'à faire. Hein. Merde. Le cerveau se retourne.
pas faire ça. Non. Wow. Et alors, si je fais ça. Je comprends pas vraiment. Non. Sol de la salle. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Sera porté sur votre rapport officiel. Et sera suivi de votre mise à mort. Bonne chance. Cette mort de l'extrême, c'était magnifique. Je sais pas comment faire, je suis bloquée. Peut-être que j'ai la bonne solution, mais je ne comprends pas très bien ce qu'il faut que je fasse. Ok. Je pense avoir compris. Attends que je comprenne, hein, ce qui est normal. Hein. On va repartir là. Que je comprenne, ouais, le système en fait. J'ai compris, mais il fallait le temps, hein, fallait le temps. Très impressionnant. Toute situation dangereuse sert uniquement à améliorer le déroulement de votre test. Mort nul qui s'est... Paf! Elle prend toute ta boule. Allez hop. Faut bien que je meure une fois, quand même. Pas marrant, ça. Chargement. Le centre d'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre. Et il est inutile d'essayer. Bon. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais reprendre juste après, parce que je sais pas combien j'en suis. Je vous dis bon visionnage, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Portal.